CBF lave les bails d'Orival, on a l'autre chance encore. Gagnant Kylian Mbappé qui est blessé et nous baldo durée indisponibilité champion du monde 2018 là. Jeudi, hein, Hansi Flick, c'est 7 sur 7 que l'équipe barcelonaise il répond à l'appel. Et lundi, il y a bon l'autre gardien qui va rejoindre effectif. Et pour derby madrilène, d'après Simeone, Vinicius a supposé recevoir un carton rouge hier au lieu d'un carton jaune. Nous allons expliquer tout petit ça avec en pile l'autre belle information. Gros salutations pour nous toutes, moi content de vous retrouver. Merci à chaque monde qui toujours like, partager, commenter vidéo nous. N'abdou pas jamais suspendre faire ça parce que à chaque fois ou like, ou partager, ou commenter, gagner plus monde qui fait connaissance avec travail. Ou même qui tombe sur émission ça pour la première fois, nous merci. Et n'a pas vite abonner, activer cloche notification, hein, pour pas jamais rater une vidéo nous, et nous assurer ou pas progresser une fois, si toutefois ou abonner avec Chanel ça, et nous dire bienvenue. Merci le fait que vous quittez nous informer, et nous souhaiter une très très bonne écoute. Je nous dis, nous avons pile belle information que nous allons partager ensemble avec vous dans l'émission ça. Avant que nous allions à l'étranger, nous avons une bonne nouvelle de sélection, nous, pas beau ici. Nous avons Coventina qui a joué dans Lyon. Et Coventina, depuis le, il est retourné et saute sous blessure. Coventina, il est vraiment décisif pour Lyon. Et c'est depuis mars que il est retourné, mars qui s'est passé à là. Coventina, dans 8 derniers matchs, que le jouer avec Lyon, li décisif 10 fois. Et en tout, c'est 7 goals et 5 passes décisives que le délivré. Et c'est une joueuse dans l'équipe ça qui est plus décisive. Bravo à Coventina. En octobre, Cap Vinila, nous gagnons 2 matchs que sélection haïtienne de football masculine libre à jouer. Nous premiers dans le groupe CA, parce que nous dans la Ligue B, nous premiers, nous gagnons 2 matchs que nous allons jouer contre Aruba. C'est aller-retour que Matsa a pied. Objectif, nous, c'est faire 6 points. Actuellement, là, nous premier dans Poula. Aruba, les derniers. Et Matsa a vraiment crucial pour nous capables d'avancer de l'objectif. Nous qui par l'autre, remonter dans la Ligue B, qualifier directement pour Gold Cup et améliorer classement, nous, dans classement FIFA qui toujours sorti. Et de ce fait, Guinéen entraîneur noir qui sortit en liste de 30 joueurs. Et à partir de 30 septembre, l'a réduit à 23 joueurs. Nous allons porter tout pour le ça. Mais pour le moment, tout bagaille ok. Nous en forme et objectif là, c'est faire 2 belles victoires ça face à Aruba. Côté que le 11 et 14 octobre, Cap Vinila, n'a bien rendez-vous dans CONCACAF là, dans la Ligue des Nations de la CONCACAF. Et c'est face à Aruba que nous gagnons 2 matchs pour nous jouer. Côté mesdames, yo, n'abdou CONCACAF football féminin, li gagnent un autre calendrier que yo qualifié de quadrinal, c'est de 2005 à 2029, et yo communiqué Fédération haïtienne de football là, calendrier, bel calendrier ça. De ce fait, nous gagnons sélectionneur, nous, qui c'est Malou Guignette, li annoncé que nous allons participer dans un tournoi amical international qu'a fait dans le pays la Turquie. Et rassemblement a fait à Antalya du 21 au 31 octobre. But et match amical ça c'est pour nous préparer et nouveau cycle quadrinal là que CONCACAF la soumettre by Fédération haïtienne et tout le monde qui concerné par gros calendrier ça. Et nous là après pour nous venir avec résultat au bout et nous espérer que tout le monde en forme. Nous t'a souhaité que Melchi pas blessé pour nous capable de gagner Melchi d'Ariel Dumonet qui a bien passé en France. Nous campons là avec information bon côté par nous et dans le jour qu'a venir là n'importe le nous gagner notre information, c'est avec un plaisir que nous gagnons pour nous informer. À l'étranger, mercato il y en a et estival la fermé pour lui. Mais à partir du mois de janvier, nous avons l'autre et mercato et grand pile mouvement qui vient annoncé sous mercato ça. Gagné Manchester United avec Real Madrid qui va le goûter là pour un milieu de terrain qui a joué en Italie, il parle l'autre que Nicolo Barella. Li
il y a 27 ans, il a joué dans Inter de Milan et pour début de saison ça, il a été frappé, il est vraiment en forme côté que il a fait un goal, on passe décisif dans 5 matchs. Il y a un Transfermarkt qui évalue le joueur à 80 millions d'euros et il y a Manchester United qui besoin, il y a Real Madrid qui besoin de jouer ça et là il y a une belle bataille pour Nicolò Barella qui est vraiment vraiment bon et nous espérer que il y a Vagoumé mais Inter tout libre à blender jouer tout parce que Barella c'est une dans pièce maîtresse équipe Inter de Milan ça. Nous parler en Angleterre côté que Pep Guardiola parlait de blessure Rodri. Tout connaît que les Rodri blessé dans match Arsenal là et c'est paté malheureusement qui blessé et Rodri, c'est pas intentionnel, ça arrive dans le football là. Dans un temps côté Manchester et en Angleterre, il était passé des tests et il était rentré en Espagne pour approfondir testio et Rodri l'a perdu saison 1 malheureusement parce que blessure que prend, c'est une blessure qui dans haut niveau. De ce fait, il y a Guardiola qui parlait, il dit que n'a fait 100 Rodri est joueur irremplaçable, mais quand même, n'a besoin d'une solution. Il dit, année dernière, saison dernière, Erling Haaland était passé 3 mois dehors. Il y a Kevin De Bruyne qui était fait 6 mois dehors. Nous prenons première ligue là. Et là, nous prenons le goumen pour nous capables de faire une très, très bonne saison. Pour toute bagaille capable de même genre et pour nous. Et gagner Rodri Janoudoulan, l'a souffri d'une blessure ligamentaire au niveau genou droit li. Et en hiver, il est capable de venir dans Mercato pour chercher un possible remplaçant Rodri pour un an, peut-être au-delà d'un an, mais quand même, Manchester City a obligé d'aller sous marché transfert. Gagner Guardiola qui parlait également de calendrier infernal, qui gagnait dans la première ligue, en côté que grand pile compétition, et gagnait en pile match tout, et dans UEFA, côté que Ligue des Champions, elle gagne plus match. Il dit, m'pas bon ou menti, m'pas bon sacrifier première ligue avec Ligue des Champions. M'pas dit que ces deux compétitions sont qui pi gros compétition, toute l'autre compétition, on respecte yo, mais l'autre, c'est 50% joueur m'cap jouer, c'est équipe BA cap aligné. Pour et Carabao Cup là, Manchester City, ils font belle victoire sur Watford 2-1. Et Guardiola dit, lui-même, c'est équipe BA qui gagne pour jouer compétition ça, parce que c'est première ligue avec Ligue des Champions, tout joueur lui a aligné. Et saison en Lilong, et calendrier à côté que grand pile joueur, et nous prend Rodri qui blessé, qui t'est parlé de calendrier, Léaro, parlé de calendrier, Caval, parler de calendrier et gien même réunion qu'a faite en sous-marin pour yo capable faire grève parce que yo est la FIFA avec UEFA pas veut passer mais Guardiola dit lui-même équipe là et dans l'autre compétition qui par première ligue avec Ligue des Champions c'est équipe B. Gien Manchester City, c'est une équipe qui gagne plus large effectif et même équipe c'est tout Guardiola capable faire tellement yo gagne monde mais là et pour Carabao Cup pour FA Cup depuis nous pour arriver dans finale demi-finale c'est équipe B ou bien son équipe remaniée que Guardiola bral mettre dehors pour les capable conserver bon joueur pour plus gros compétition qui gagnait en club là qui c'est Ligue des Champions et il envie faire back to back là tout dans première ligue là n'a pas avancé avec information yo et nous praler en Espagne pour nous parler de Vitor Roque. Vitor Roque qui prêté par Betis et c'est FC Barcelone qui prêtait Betis li côté que li joue 2 matchs, il était fait 2 matchs sous banc mais joue 2 matchs sous li titulaire mais là Vitor Roque li blessé, yo poko di pour combien de temps que li blessé mais l'a souffri d'une légère entorse dans ligament dans cheville gauche li, c'est blessure ça que le prend, li pas trop longue mais pour le moment club là poko di pour qui le Vitor Roque qui était commencé bien adapté dans Liga, mais là, la obligé prend on pause parce que li blessé. FC Barcelone gagne Testegen qui blessé pour toute la saison. C'est même blessure avec R9 que li contracté. De ce fait, d'après Fabrizio Romano, Szczęsny qui est libre, Szczęsny qui sont polonais, qui te fait un long passage dans Juventus, au monde cap de Serie A, faut songer que il y a plusieurs saisons, nous te c'est Szczęsny qui était en bagole.
et c'est signé capable de débarquer et en Espagne lundi d'après Fabrizio Romano et avec un petit crascom Barcelone capable signer pour un an. Mais ça qui est sûr c'est que pour le moment c'est doublure, il n'y a qui Peña que la. Peut-être que les capables passer numéro 1 si toutefois il n'y a qui blessé ou bien il n'y a qui t'a commettre des boules à répétition, mais pour le moment monsieur connaît c'est un statut remplaçant que la guerre. Bon là on vient pas tellement ouais pour qui ça. Si la bon statut remplaçant pour faut pour un petit gardien dans la Masia, mais mon ami je dis m'ta parler ensemble avec lui. Il dit Mirland oui. Si monsieur deuxième gon avantage parce que il connaît gros compétition yo ou par contre qui le Iñaki Peña capable blesser ou pas capable un petit gardien la Masia pour mettre le jeu en match des champions par exemple. Si un classico a privé là Iñaki Peña ta blessé ou pas capable prendre un petit gardien la Masia pour mettre le jouer face à Real Madrid ou bien face à Atlético le Saipia Wabay, là me venons ti j'en comprendre ni et c'est ni a débarquer lundi au plus tard en Espagne pour capable signer un contrat un an mais avec un petit crascob. C'est ça information yé et flic li même dans tête li c'est Iñaki que la baille toute confiance li pour mettre le numéro 1 en attendant que petit à petit match après match peut-être que Cesny capable jouer quatre matchs en tant que titulaire mais pour le moment l'a vini mais c'est Iñaki Peña qui a numéro 1. Jodi an en Liga te gen match et gen Barcelone qui font coup de victoire sous Getafe 1-0. Et gen Rafinha avant match ça il était recevoir prix meilleur joueur mois d'août que il était prend dans Liga et monsieur pas fait discours mais il était juste offri et trophée ça by tout supporter yo qui remen en pile et n'a dit que avec blessure Ter Stegen nan c'est Rafinha qui vini et capitaine numéro 1 FC Barcelone parce que nous connaît De Jong les blessés et c'est lui-même qui vient capitaine et c'était un bon moment, un gros moment dans la carrière et Rafinha Jodian dans Mandjouk là côté que il présentait trophée ça by tout public là qui t'est fait déplacement. Jodian Barcelone Janou Dou ils font coup de victoire 1-0 et gagne Giron qui fait 0-0 avec Rayo Vallecano. Et Barcelone nous regarder équipe Barcelone là ouais équipe là compact. Et la Masia li rete vrai meilleur centre de formation qui gagne dans le monde là. L'on a regardé Koubassi, l'on a regardé et un joueur Tranko Lamine Yamal pour moi qui mérite repos ou est que la Masia li fait travail li et Jean Tifiké dit quel que soit joueur manqué de poil dans la Masia ou besoin un monde qui remplace joueur. Et c'est ça li. Je dis en Barcelone en fin match là ils font ils souffrent tout petit parce que gagne Mayoral s'il était plus clair devant quand au moins Barcelone était capable de faire match nul laisse ça Barcelone était capable de courir parce que il a raté en pile belle action pour être capable de creuser écart là mais heureusement Mayoral il était raté le cadre il fait fly devant quand parce que il n'y a qui monde pas cadre il n'y a qui rien c'était prendre goal ça parce que et c'est un col clair mais heureusement on vient voir que et chance sans tout il commencer marcher avec FC Barcelone. C'est un très bel match côté que Jules Koundé c'est by passe décisif pour Lewandowski. Pour l'heure, Lewandowski c'est lui-même qui meilleur buteur dans Liga, il devance Kylian Mbappé. On vient voir que Lewandowski il retrouver jeunesse et à chaque fois moi toujours dis ça. Lamine Yamal pense que le mérite repos mais Lamine Yamal il son bel joueur, faut que Lamine Yamal peut-être chaque deux matchs pour ta marque. Oui, il jouait vrai. Oui, il y a un métier, mais il manquait précision devant, faut qu'il marque, et parce que goal en tout, il déterminait qu'il jouait. Rafinha, je dis, il n'est pas mauvais, et à ensemble, équipe FC Barcelone, il était répondre à l'appel, et Hansi Flick, c'est 7 sur 7. Hansi Flick qui beaucoup perdu un match dans la Liga, mais en semaine, quand il vient à la Ligue des Champions, il y a un monsieur au tournant, côté que, c'est avec une bosse, que Barcelone gagne pour le faire et faut que Goumen puisse faire premier 3 points dans la compétition. Ça, côté nous connaît que pas de bagaille premier, pas de bagaille deuxième, c'est 1 à 8, 8 à 24, 24 à 32, tout le monde éliminé net. Et la Ligue des Champions sont très très belle Ligue des Champions. Bravo à FC Barcelone qui a mis pression toujours sur Real Madrid et reste concurrent Lyo. La Flick, t'es content, très belle victoire ça et c'est Lamine Yamal qui finit. L'homme du match. N'a toujours été
en Espagne pour nous parler de Vinicius Junior. Vinicius Junior, hier, il était joué un très très bel match. Et monsieur, il fait battre un record là, côté que Jean Vinicius a joué à tout défenseur, pas tellement trop aimé Vinicius. Et hier, dans le début de saison, ça là, Vinicius est le premier joueur qui subit plus tacle. Et tac que le subit face à l'équipe là hier, c'est 11 tacles que à défenseur à la version fait sous Vinicius. Là, c'est record qui établi dans la Liga, côté que non seul match pour un joueur subit autant de matchs. Jean le joueur là, ou pas capable, Vinicius toujours face à défenseur. Et son joueur qui prudent, c'est même Jean l'aimé si t'as joué, mais c'était prudent à défenseur. Et nous venons voir que Vinicius est prudent parce que Jean l'a joué à la, conseil de défenseur qui peut quitter Vinicius passé. Mais pour le moment, tout va bien. Et Vinicius, c'est lui-même qui était passeur sous premier goal que Lucas Vazquez t'a fait. Hein? Et il tout bagaille ok pour Vinicius. Gagné Ancelotti qui est capable de prolonger au-delà de 2026 avec Real Madrid. Et c'est une très mauvaise nouvelle que lié pour sélection brésilienne, hein, qui était pensé fortement avec et toujours pensé avec Ancelotti, mais là, il est capable de prolonger au-delà de 2026. N'a pas suivi information pour. Hier, dans l'émission que nous t'ai fait, nous t'ai dit que Kylian Mbappé, les blessés. Malheureusement, et des fois, de travail, souvent, on fait bagarre pour que j'ai une critique ou pour qu'on commence le travail. Et on pas répondre mon commentaire qui est négatif yo, mais bon ami qui dit que madame Sam chercher sur internet là m'pa ouais qui article qui dit Vinicius Ballon d'Or ou dit Mbappé blessé m'pa ouais côté Mbappé blessé ça et ou son bel monde cherchant l'autre bagaille pour faire bon tout ça le dit on prend yo maintenant il y a deux phrases première phrase am kabal réponse le 28 octobre les Vinicius une Ballon d'Or mais deuxième phrase am getan gain parce que Kylian Mbappé li blessé et nous connaît que vibes ko exact pas chan petit et nous saluer mon ami qui toujours aime dit nous ça nous on échappé nous mais nous connaît il connaît que nous aime en pile Kylian Mbappé malheureusement Kylian Mbappé li blessé Kylian Mbappé li gon blessure que li subi là n'a vini avec non blessure là pour c'est li gon blessure dans biceps fémoral jambe gauche. C'est là que les blessés et blessure ça a éloigné des terrains pour 3 semaines. La raté derby, la raté match des champions face à Lille et week-end cap vini les pas jouer. Coup blessure ça la plus fait Mbappé mal que Real Madrid. Oui, actuellement là c'est lui-même qui meilleur buteur club là, pas de problème. Mais où t'es ouais Mbappé dans l'adaptation toujours. Il fait goal, mais c'est pourquoi Mbappé met Mbappé relax que nous connaissons sous terrain. Mbappé, pour qu'on entre. Et là, Real Madrid a tourné dans 4-4-2. Ou qu'on doit pas aimer ça, mais pour le moment, Real Madrid pas de problème Mbappé pour jouer sans Mbappé. Parce que c'est l'équipe qui était la Ligue des Champions, l'équipe qui était la Liga, c'est avec la pour tourner. Coup du lan, il plus pour Mbappé qui va recommencer à adapter après 3 semaines. Nous espérons que le papa c'est plus temps dehors parce que hier Mbappé jouait un bel match, il fait un gros goal et c'est lui-même qui finit l'homme du match bien que l'homme du match ça il contesté par plus d'un parce que Lucas Vazquez t'a supposé l'homme du match et vos amis qui me disent qui est-ce que Lucas Vazquez ça? Lucas Vazquez son joueur Real Madrid et depuis là il toujours fait un pile bagarre pour Real Madrid peut-être que ou on va pas connaître qui est Lucas Vazquez. Mais parce que le Mbappé, chaque match, il est obligé l'homme du match. Et ça fait Ligue des Champions sur compétition que je remets, il y a un jeu, il bail l'homme du match. Donc aujourd'hui, là, dans le match Yamil Yamal, dans le match Barcelone, moi-même, c'est Jules Koundé, je bail l'homme du match. Et à la surprise générale, il bail Yamil Yamal. Il y a un jeu, il contrôle l'homme du match dans la Liga, mais dans la Ligue des Champions, pour moi, il pisse. Mbappé, malheureusement, il est blessé. Premier derby, Madrid, il a joué la Pratel. Mais ça qui est sûr, c'est que pour Classico, Mbappé a bientôt retourné. Nous espérons que monsieur vraiment retourne en forme et blessure, ça l'a traîné 4 années. Et il n'a pas voulu opérer, là, il a éloigné des terrains pour 3 semaines. Nous disons que dimanche qui vient là, c'est derby Madrilène qui a vu. Il y a Diego Simeone qui parlait de derby. Hein? Et d'après Simeone, hier, Vinicius est supposé écoper d'un carton rouge
au lieu d'un carton jaune. Peut-être que Diego Simeone li redouté Vinicius, c'est ça seulement que je suis capable de comprendre. Parce que je ne suis pas ouais, un joueur, un carton rouge direct, l'a envie de parler avec un arbitre. Bon, bah oui. Parce qu'il n'a pas joué arbitre, il n'a pas fait coller, c'est juste si tu as besoin de parler avec arbitre là. Peut-être que il n'est pas premier capitaine, il n'est pas bien droit à l'arbitre là. Je pense ça seulement. Même pas ouais, pour qui ça, on t'a le bali, un carton rouge. Mais pour Simeone, Vinicius, t'as supposé prendre rouge, les ça, on sait le problème. Il va pas bien dimanche, mais c'est dommage, dit beaucoup. Vinicius, si tout bagaille ok, dimanche, la belle est bien là, t'es bon, petit doute tout petit, mais tout doute net dissipé. Vinicius, l'informe, lui a entraîné très bien. Et dimanche, nous, nous allons vivre un grand moment football. Côté que Derby, Madrid, c'est dimanche. Real Madrid face à Atlético. Avant nous aller, n'a dit que ap gagné et journée FIFA dans mois d'octobre qu'ap venir là. De ce fait, Ronaldo qui c'est président et président CBF là et monsieur là, il consulté mon cap travail ensemble avec lui. Pendant année après le finir là, c'est seulement rassemblement ça qui rété. Il dit que il pas ouais pour qui ça libéral obligé gagne envoyer Dorival aller bien que Dorival gèle ap toujours aller. Dorival a capable sorti l'ici, il va jouer deux autres matchs encore pour avec Brésil et après il y va réfléchir parce que il dit que si vous voyez Dorival aller là, on y apprend pas bien temps préparer équipe là pour deux belles matchs à qui va venir là. Il dit bon, Dorival a font tirer mais somme toute il a obligé chercher toujours. J'ai l'impression que ces jeunes nouveaux rejoignent mais c'est avancé à vraiment bon parce que leur sélectionneur ont équipe national, il n'y a pas même gens avec un club. Ou besoin plus dans l'équipe nationale là pour attirer. Et là, je pense que c'est plus bon choix que le rival capable de faire. Peut-être qu'en janvier, nous capables de nommer en l'autre monde. Mais pour le moment, le rival, deux matchs qui va venir en octobre, c'est le rival Napoléon Souban et CBF là. Une nouvelle qui pas fait Jackie content. Nous comprenons Jackie, mais faut comprendre. Et président CBF là, tout, faut le prendre décision. Cap bon pour équipe là. Fois ça, m'espérer que Rafinha lui là, dans effectif brésilien, il me pensait que nous allons vivre un bon mois d'octobre. 28 a gagné Ballon d'Or. 11-14 n'a gagné Grenadier nous yo qui va jouer nous pas capable demander plus bagay et gagner un gros fanatisme qui fête le 17 nous pourquoi citer non et joue ça n'a dédié émission avec nous camper là nous remons en pile merci pour écoute merci pour support merci avec tout nouveau abonné yo qui compte ces chansons depuis ou à l'étranger qui t'ti publicité nous yo passé parce que c'est premier moyen qu'on gagne pour capable de supporter nous et nous voyons un gros coup de chapeau pour tous les Haïtiens qui vivent dans le pays Saint-Domingue qui kembe Chanel là en vie dans la communauté. Ça. Bye bye tout le monde, non pas M. Mirland et pas oublier nous tout net, nous c'est ce qu'on exacte.